Bonjour, donc je suis Céline Vasseur, je suis la dirigeante du cabinet Dynamis. J'ai racheté ce cabinet il y a eu 5 ans au mois de janvier. On a fêté en effet notre 5e anniversaire en ce début d'année un petit peu particulière. Alors mon activité principale va être l'accompagnement des entreprises dans une dimension en fait RH, mais également l'accompagnement en fait de ses collaborateurs dans une dimension en fait justement de professionnalisation, tant dans la dimension managériale que dans d'autres dimensions en fait qui vont être des développements personnels. On a su rebondir, c'est-à-dire créer des opportunités autour de cette crise grâce à nos clients qui nous ont fait confiance et qui nous ont demandé en fait tout simplement de les accompagner, d'accompagner leurs collaborateurs à vivre au mieux en fait de cette nouvelle crise. Le changement, les contextes différents, le management à distance, la mise en place du télétravail, etc. Alors, un conseil RH à vous donner, sans trahir bien entendu mes petits secrets, j'aurais envie de dire en fait que c'est d'être à l'écoute de vos collaborateurs, mais surtout d'accompagner vos managers qui bien souvent sont dans la difficulté, notamment dans la dimension du management à distance et du management en fait en situation de crise. Alors, pas plus qu'un homme, être vrai, être honnête, être soi. J'ai envie de dire qu'on soit une femme ou un homme, ça ne change pas grand-chose en fait, la place dans une entreprise. Ce que j'aimais, c'était lorsqu'on pouvait se rencontrer en fait, autour de grandes tables, échanger avec nos collègues, en fait, chefs d'entreprise. Des boîtes à outils, une boîte à outils en fait. Donc vivement le retour à une vie normale pour pouvoir se retrouver autour de cette grande salle. Voyager. C'est vraiment ce qui me manque aujourd'hui en fait. Voilà, c'est l'épanouissement à travers le voyage. Thank you.